Plus Nathan t'y demandait sur ses totes, mais c'est toi vos pires mots de toile. Et là, cet Nathan t'y a dit, genre, il a eu un bon parce qu'il s'est roulé dans l'herbe. Alors, franchement, je trouve que ça dépend. Genre, si t'es dama, ça va, mais à partir d'un âge, tu vois, se rouler dans l'herbe, je sais pas trop, tu vois. Ensuite, cet Nathan t'y a dit avoir traité ma prof de zèbre. Mais frère, cherche une meilleure insulte, toi, tu vois. Alors, imagine la tête de ses parents. Votre fils Théo, oui, j'invente des noms, a traité sa chère prof de zèbre. Mais frère! Ensuite, on a celui-là. Je suis monsieur Pramo pour raison suivante. Toute astrologie avec son voisin a dit, parle mieux des béliers. Vieilles choses en tout dans le lit. Alors, franchement, je trouve pas que ce soit si choquant tout ça, toi. Ça arrive que tu parles d'autres choses, puis en général, tu vois, tu défends juste ton honneur de bélier, donc voilà, ça mérite pas non plus, tu vois, un drame. Ensuite, il y a celle-là. Un pote trêve les yeux de lit sur un affiche avec des punaises. Non, mais vous n'allez pas bien dans vos têtes là. Non, mais imagine, tu trêves les yeux de tel temps avec des punaises. Wesh, mais c'est hyper dangereux dans tout. Franchement, faites pas ça, les amis. Faites vraiment pas ça. C'est pas du tout cool. Et même pour vos potes, ça va pas les aider. Hein? Enfermer une surveillance dans l'après-midi, 30 minutes. Non, mais ça va pas la tête. Non, mais franchement, je veux trop une story time là parce que c'est juste ouf, toi. Ensuite, on a celle-là. Ramène des pains de la dentine en tour en posant sur le radiateur et répond, t'as fait un barbecue. Non, mais toi, je te tenais pas, mais je t'aime, sache-le. Vraiment le meilleur truc ever. Next, on a celle-là. Applaudis comme une faute durant les exposés. Non, mais je suis dead. Après, je me dis, le prof, il s'est même dit, applaudis comme une faute. Il s'aime pas, genre, tu vois, il a vraiment été très créatif pour le tout.